Tout à l'heure, je reçois un candidat pour le remplacement de Sandrine. Et devine quoi? Il est travailleur handicapé. Et on n'a même pas de place de parking. Et alors, où est le problème? Enfin, imagine un peu un aveugle chauffeur de taxi. Chauffeur de taxi, bien sûr, mais pour ma part, j'avais une voisine, elle était malvoyante et elle était formatrice et tout se passait très bien. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Alors, bonjour à tous, je suis votre nouvelle formatrice et nous allons étudier aujourd'hui les différentes techniques de recherche d'emploi. Bon, prends quelqu'un en fauteuil roulant. Tu le vois, entretenir un bâtiment, réparer un volet, ou bien monter à l'échelle. Tu sais, ma cousine Carole, elle est en fauteuil roulant. Et elle conduit des bus toute la journée. Bonjour. 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 Ouais, bon sang. Ok, mais tu comprends pas. Tiens, prends notre exemple. Une sourde. Tu la vois décrocher au téléphone ici au standard ou quoi? T'imagines un peu? Évidemment, au standard, ça peut être un peu compliqué. Et tu vois, on va chercher nos sandwichs au midi. Je suis sûr, t'as jamais remarqué qu'il y avait une jeune fille qui était en caisse et malentendante. Ah bon? Elle est sourde? S'il vous plaît. Voilà. Eh bien, on ne vous entend pas, mademoiselle. Vous n'êtes pas vraiment folie, hein? Ah, excusez-moi. Désolée. Eh oui, Paul. C'est beaucoup d'a priori, tout ça. On bosse ensemble depuis combien de temps? 5 ans. Et tout se passe très bien. Ah oui, alors? Et alors, il y a 5 ans, j'ai perdu mon boulot. J'étais aide à domicile. Mais ça va aller, bougez pas. Ah, mais excusez-moi, mais j'ai mal à l'épaule. Et avec mes problèmes d'épaule, enfiler des bas de contention à une personne, c'était vraiment, vraiment compliqué. Hein. Et c'est pour ça que j'ai fait une reconversion, et puis maintenant, je m'occupe de jeunes. Je m'éclate à les mettre sur le bon chemin. Ouais, bah écoute, j'avais pas vu les choses sur cet angle-là. Je mets ça en tête pour l'entretien de tout à l'heure. Un travailleur handicapé ne peut pas faire tous les métiers. Mais tous les travailleurs handicapés peuvent travailler.